Hey yo, all this is Lava. Aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour un épisode de Monster vs Monster. Et du coup, aujourd'hui, vous n'aurez pas les 4 épisodes de Monster vs Monster qui sont en train d'être postés. Aujourd'hui, vidéo un peu plus spéciale, vous le voyez dans le titre, un unboxing. Oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un unboxing image, on va pas se mentir. Eh bien, la raison est toute simple. J'ai enfin récupéré ici même un colis avec à l'intérieur les amiibo de Monster Hunter Rise. Alors, j'avais déjà acheté la collector de MH Rise, du coup, je possède déjà l'amiibo Magna Malo, mais il me manquait encore les deux autres amiibo. Et on va pas se mentir, ils n'étaient pas des plus simples à trouver. Bon, pour ce qui est des Amazon France ou compagnie, ah, soit vous les trouvez à des prix abusés, soit vous ne les trouvez pas, par exemple. Et du coup, en passant par Amazon Japon, j'ai pu récupérer tout simplement les deux amiibo qui me restent. J'ouvre donc le colis à côté et on va pouvoir regarder tout ça ensemble. Hop. Toujours le bon débrouillard avec les colis. Alors, bonjour, vous trois, vous dégagez de là temporairement. Ok, on a donc là-dedans tout simplement les boîtes. On la voit apparaître la première. On va donc sortir tout d'abord le Chemski. Et ensuite, on a du coup dans la boîte toujours à l'intérieur le Féline. Ce qui veut dire qu'on aura enfin tous les amiibo de Monster Hunter Rise. On va présent sortir les amiibo évidemment de leur petite boîte en faisant très attention pour abîmer le moins possible la boîte. Parce que j'aime quand même beaucoup les boîtes des amiibo, donc j'aimerais, si possible, les garder en assez bon état. Ok. Alors, on a notre premier petit compère qui est en train d'apparaître avec sa boîte du coup à côté. Juste là. Et on va s'occuper à présent de son autre compère. Hop là. En train de. J'ai pas beaucoup de place là où je suis. Ok, et du coup, ce compère, le Féline. Enfin, le mot amiibo, même pas ça, il reste dans la boîte. Ok, alors, on va y voir ça vraiment de plus près. Donc, tiens, on va commencer par. Bon, je l'avais déjà, mais voilà, pour vous le montrer, du coup, l'amiibo Magna Malo. Qui est quand même plus beau que ce que je voyais sur Internet en soi. Voilà, il y a des petites effets de flammes qui font très plastique, mais pourquoi pas. Un joli nanaï. Ensuite, on a du coup notre ami le Chemski. Alors, voilà. Sort de la petite Chemski. Ok. Alors, du coup, le Chemski de Monster Hunter Rise. Voilà, vraiment extrêmement stylé, extrêmement qualitatif. Ça fait grave plaisir. Hop, remets-toi ici. Et du coup, on a à côté notre ami le Féline de Monster Hunter Rise, du coup, avec son épée extrêmement stylée avec la petite cape qui flotte au vent. Voilà. Enfin, une collection. Enfin, voilà, j'ai récupéré du coup les deux autres amiibo des MH Rise. C'est extrêmement cool. Là. Au moins, ils sont tous dans la collection à présent. Et du coup, moi, je peux dire que voilà, j'ai enfin tous les amiibo de Rise. Et je peux déjà vous dire que normalement, il y aura une deuxième unboxing qui arrivera
un peu plus tard qui concernera les abîmaux de Monster Hunter Stories 2. Sur ce, je vous laisse et je vous dis ciao ciao.